coup, je me retrouve sur les réseaux sociaux, comme ça, pour rien, j'ai embrassé un homme, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça va prendre de l'ampleur jusqu'à les gens vont me juger, m'insulter. Mais excusez-moi, ce qui a fait en sorte que j'ai réagi avec ce message que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est parce que quand j'ai su qu'il y avait une vidéo de moi, voyez, la curiosité, je suis entrée dans les commentaires. J'ai essayé de regarder, lire un peu ce que les gens sont en train de dire, ce que les gens pensent, quoi. Mais c'était horrible. C'était horrible. Je me suis sentie tellement humiliée. Humiliée. Et qu'est-ce que les gens disaient sur ces commentaires que tu as pu lire? Bon, beaucoup de gens me jugeaient. D'autres disaient John Johnson, d'une fille sale, d'une pute. Qui ne sait pas se laver, c'est une fille de bar. Moi qui suis, je ne pars jamais au bar si ce n'est avec mon copain. Je suis toujours à la maison. J'ai vu tellement de messages qui m'ont vexé que je sais pas, dans la colère, la rage, je suis allée avaler, je sais pas quoi. Tu vois un peu du genre, je voulais oublier ce qui C'était est en train de compliqué m'arriver. tout. C'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, quand je suis restée, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi vraiment? Ou bien, et mes amis, mes proches, ma famille m'appelaient pour me demander si je fumais le banga. J'ai dit, mais est-ce que le banga, je fumais le banga, je ne connais même pas ça. Donc, tout le monde m'appelait pour me demander ce qui m'est arrivé. J'ai dit, bon, c'est l'alcool. Il me dit, mais l'alcool ne peut pas t'amener à faire ce genre d'erreur. Beaucoup de gens ont vu la vidéo, on connaît ce qui s'est passé, mais est-ce que toi, tu peux nous raconter le film de cette journée-là? Comment tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui se passe avant que tu te retrouves dans ces conditions? Oui. Ce jour, j'étais bien portante. Bon, alors, sauf le fait que j'avais les problèmes avec père de mon enfant. Donc, on a eu nos problèmes. D'abord, on avait déjà nos problèmes déjà avant que ce problème n'arrive. Donc, je suis partie de chez lui. J'étais chez ma grand-mère à Bali. Donc, j'ai fait une semaine là-bas et puis j'ai dit que non, je voulais aller faire le week-end chez une amie. Bon, chez nous, on ne fait pas les sorties nocturnes, quoi. J'avais envie de sortir et pour oublier le problème, pour essayer de. Donc, je suis allée chez une amie. Je suis arrivée là-bas avec quelques petits trucs. Elle me dit, bon, quand tu dis que tu as les problèmes, tu veux t'amuser. On va aller quelque part. C'est l'anniversaire de telle. Tu connais cette fille, non? Je dis oui. Elle me dit c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle nous invite à venir partager le gâteau. Il n'y a pas de souci. Ça va me permettre d'oublier le problème que j'ai eu avec le père de mon enfant. Elle a dit ok, on s'habille, on arrive en boîte. Je suis là, je consomme. Tu sais, quand tu consommes, le son devient aussi doux en même temps. Mais est-ce que tu as commencé à boire à 12 heures? Parce qu'avec Belle Évolution, il nous a dit que tu as commencé à Oui, boire à la à maison, 12 parce heures. que oui, la Ah, cérémonie a commencé à la maison déjà là-bas, avant qu'on arrive en boîte de en boîte nuit. de nuit. Donc, moi aussi, j'étais là, je consommais. Bon, je me voyais toujours bien là, pourtant. Pour moi, j'étais bien portant, sans savoir que j'étais en train de partir petit, petit. Donc, dans ma danse comme ça, elle me dit, bon, ah, ici, ce n'est plus, on change d'endroit. Je me dis, ah, c'est ton anniversaire, si tu veux, on arrive à Paris, c'est toi qui fais. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, on arrive, il n'y a pas de prestige. Où je retamponne encore parce que je l'avais à tamponner une fois. 50 dollars. Oui, on s'était Oui. à tamponner une fois. Donc Oui. avant l'événement de ce soir-là, tu le Oui. connaissais déjà, tu l'avais Oui. déjà rencontré. Oui, oui, Et oui. c'était dans quel contexte? Bon, genre, jeune fille est venue s'amuser, il me faisait la cour, bah, Toujours depuis. dans une boîte de nuit. Oui, parce qu'il disait qu'il me partout, il me remarque toujours. Il me dit, depuis, je te cherche, tu es toujours là, tu joues avec moi, tu fais ceci. Parce que la dernière fois, on s'est séparés dans les bonnes conditions. Hein. Ouais. Donc, il m'a mis sur la moto, je suis Il n'y a pas rentrée. eu de Il n'y a bisous pas cette eu de fois-là. bisous, non. C'était. On lui, manger, boire, et puis c'était fini. Je ne sais pas où il avait mon mal depuis. Moi, je ne connais pas. Donc, le jour-là, il est venu me trouver, j'étais avec mes amis. En tant que nous consommer. Et moi, je dansais. Quand moi je suis sur, je danse, je monte même Ok. sur le canapé, je m'amuse avec les talons en l'air. Comme on a pu voir dans la Oui, vidéo d'ailleurs. j'étais en train de m'amuser, je m'amusais, je m'amusais. Et puis, il est arrivé, il me dit non, il veut me parler 2 secondes. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais tire aux toilettes. Il me dit bon, tu viens d'arriver. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de bien poser. Tu peux venir t'installer avec tes copines et tes amis, vous pouvez venir rester sur notre table. Je dis non, il n'y a pas de souci. Je convainc mes amis, je dis bon, c'est un ami à moi, j'avais confiance en lui.
Mais est-ce que tu connaissais déjà que Senghor Dola est populaire non. sur les réseaux sociaux? Non, je n'étais même pas au courant de ça. Moi, je dis toujours, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, je m'éloigne toujours. Donc, vous partez sur la table. Oui, on arrive, on offre une bouteille de whisky, chez Vas, je dis merci, finalement, on consomme. Dans la danse, moi aussi, j'avais tellement consommé, vous savez, j'ai commencé à avoir chaud. Donc, je suis d'abord restée assise. Une amie me dit, non, ne fais pas qu'on constate que tu n'es plus bon. Essaye de danser, essaye de danser, danse même, ma belle, tu peux pour. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma tête, je sais que j'ai envie de danser avec un ami, avec un homme, comme tout le monde. Que ça peut arriver, vous sortez, danse avec l'ami de ton copain, oui. pour vous amuser, quoi. Ils sont en train de danser, et puis, pap, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais oublié même quelque chose qui s'est passé. Je ne pouvais pas imaginer. Il était là, il me dit, oh, je t'aime et tout ça, non. Il me dit que tu es ma copine, moi, je vais te faire de toi ma copine. Je dis, mais attends un peu. C'est vrai que toi et moi, on a l'habitude de se voir, mais ça ne veut pas dire qu'on va en arriver là quand même. Il me dit, non, vraiment, je suis sérieux et tout ça. Je lève ton danse. Je me lève, je me danse dans la musique, je suis en train de danser. Quand il me retourne, je n'avais même plus l'équilibre parce que je suis tombée seulement sur la chaise. Je n'avais plus l'équilibre. Quand tout ça arrivait, je n'étais pas au courant. Mais cette vidéo, vraiment. Bon, quand Diane Johnson se retourne, on voit dans la vidéo, elle embrasse Senghor. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire, vraiment. Parce que, mais, n'est-ce pas? Oui. Pour dire que c'est moi et tout ça. Mais dans la vidéo, ça se passe à deux reprises. Donc. Senghor embrasse, vous vous arrêtez, après vous vous embrassez encore. C'est sous l'effet de l'alcool. Ouais, pour moi c'était sous l'effet de l'alcool. Pour le moi, baiser, c'était juste... déjà un peu bon. ouais, Massimo veut savoir si c'était vidéo, bon regarde, la première fois encore. Et la deuxième fois. Et la deuxième fois, elle arrête. On a pas confusion quand même, Massimo. Mais est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que le lendemain quand tu te lèves, on aurait pu mettre quelque chose dans ton verre pour que tu sois un peu plus... Oui, parce que j'avais des terribles maux de tête. J'ai fait 2 jours, j'étais malade. J'avais mon corps, n'était pas agité. Donc il est possible que tu aies été drogué cette nuit-là. Oui, parce que ce jour, quand je me suis levée, j'ai l'habitude de boire, c'est vrai, mais ce jour-là, je n'avais même pas mangé, ni marché, même j'avais une migraine terrible. Je me suis dit, mais... Seulement le vin blanc que j'ai dans le boire le petit whisky là aujourd'hui là tu m'as... Tu n'as pas mélangé, voilà. On ne mélange pas le vin blanc whisky. Non, et maintenant à la maison tu as commencé la bière. Sauf que là elle est en train de dire quelque chose d'assez grave, c'est que... Voilà. Et mon verre était posé sur la table. Bah, à 12 heures tu buvais quoi la bière? Oui. Après donc, tu as bu le verre. Posé, donc je n'avais même pas le temps de regarder mon verre et tout ça. Et il y avait des gens autour de nous. N'importe qui pouvait balancer quelque chose avant cette vidéo. Donc... Et maintenant, si tu as été drogué, tu soupçonnes qui? Moi, si j'ai été drogué, je vais soupçonner la personne qui est à côté de moi. Parce que c'est vrai, je n'ai pas remarqué, mais j'ai juste remarqué la fille. Mais elle n'était pas proche de moi. Parce que j'ai essayé de me renseigner sur le directeur de la boîte. Snap, ouais. Il m'a dit que ce n'est pas un homme qui a filmé, que c'était une femme. Que c'est une fille, la fille avec qui j'étais, qui a filmé cette vidéo. Et qu'elle aussi, elle était déjà aussi, elle filmait tout, ouais. tout comme ça, tout ce qui venait, elle filmait. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, ça peut être Senghor Dola qui a encouragé cette personne à publier la vidéo. C'est justement pour alimenter le buzz autour de lui. Je ne sais pas, parce que celui qui a publié, normalement, c'est Robinson Pifot. Ok, oui. C'est Robinson Pifot qui a publié la vidéo. Oui. Il est le premier à publier cette vidéo. Et après, Senghor Dola a suivi. Et la publicité sur sa page. Maintenant, pour me défendre, quand j'ai écrit ce message dans les commentaires, il a capturé mon message et il l'a envoyé sur sa page. Senghor Dola ou... Oui. Senghor Dola a capturé mon message et il l'a envoyé sur sa page pour parler, pour chercher à me noyer, pour m'insulter. Je suis même allée dans mon Facebook pour me cacher, pour parler. Je sais pas. Mais ça m'a étonné de voir son visage devant la caméra à la fin. Ça veut dire que c'était un truc programmé, il était au courant de ça. Oui. Et moi, dans tout ça, la naïve, moi, je suis là, je me dis peut-être que, bon, je suis dans mon ambiance. Parce que ça, moi, ma gourde, c'est la bière. Moi, je ne connais pas prendre le mbanga comme les gens ont dit que je prends le mbanga, que je vais arrêter le mbanga et tout ça. Et moi, je ne connais pas ça. Quand je suis stressée, moi, je sais que je prends ma bière pour mieux dormir, pour me calmer. Parce que quand je prends ma bière comme ça, ça casse mon corps et puis je dors. Okay. Oui. Donc, ce qui s'est passé ce jour, vraiment,
il l'a menacé, il dit qu'il va montrer nos photos aux toilettes. J'ai dit aux toilettes, moi, papa, si tu en montres, moi aussi je vois. Ça, même si tu étais sous. Justement, justement. Je te rappelle même plus. Ouais. Justement, c'est ce que moi j'ai voulu savoir. Moi, je suis curieuse aussi de voir à quoi ressemble le titi. Les photos aux toilettes de 5 ans. Je n'ai jamais eu le rapport avec un petit papa, quelqu'un de petite taille. Mais moi, mais je dis aussi que moi-même, je pouvais voir, je devais moi-même filmer. Ils sont efficaces. Tu vois un peu, parce que moi je vais être curieuse aussi de voir ça. C'est pour ça que quand il a lancé cette menace, je me suis dit, ben, pardon, et c'est, mieux que le problème a fini, là, on arrête. Parce que je vais pas une autre surprise après. Ouais. On va venir encore tout gâter. Non, si tu as quelque chose, publie, on voit aussi. Et tu nous dis que c'est Robinson, un certain Robinson Pifo qui a publié la vidéo. Oui, le premier. Est-ce qu'avant ce soir-là, tu connaissais Robinson Pifo? Non, je ne savais même pas que j'étais amie avec lui sur Facebook. C'est après que j'ai ce que je ne savais pas. Et qu'est-ce qui a poussé Robinson Pifo, puisque tu as discuté avec lui, tu as eu l'occasion de parler avec lui, qu'est-ce qui l'a poussé à publier la vidéo? Je ne sais pas vraiment. Il me dit bon. Donc, c'est une amie, elle a envoyé dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp maintenant a partagé. Et puis, lui, il a eu une occasion de publier une vidéo de 50 dollars, vu que lui, il est célèbre. Les gens n'ont pas publié ça pour moi, ils ont publié pour lui pour faire son buzz. Donc, c'est allé maintenant. Et moi, ça a détruit, ça a presque détruit ma vie. Parce que moi, je pouvais mourir là, aller me jeter même là, dans le lac pour mourir. Parce que tellement la bouche des gens, vraiment, si on écoute la bouche des gens, tu es capable de te tuer. Vraiment. Si j'écoutais seulement la bouche des gens qui venaient écrire sur les commentaires, les gens qui venaient même sur ma page m'insulter dans mes stories, les gens venaient même m'envoyer des invitations pour m'insulter en gros caractère sur mon Facebook. Tu vois quelqu'un raconter cette histoire. Mais, oui. À cause de cette histoire, j'ai failli me faire du mal à moi, laisser mon enfant à qui? Tout ça à cause d'une erreur. Un petit baiser. Je te dis vraiment. Je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu fais le message sur Facebook? J'étais en colère. J'étais tellement en colère. Je savais donc la colère. Quand tu te dis qu'un gars qui courait derrière toi, tu savais que non, tu ne pouvais pas te faire ce genre de choses. Non, c'est là où j'ai compris que non, le type se me détestait. Donc tu as été déçu par le comportement de ces gars-là. J'ai été vraiment déçu. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire. Et pour aussi à mon oncle, vraiment, je suis vraiment sincèrement désolée. Je n'ai jamais mis ma bouche sur les réseaux sociaux, mais là, j'ai fait comme ça. Et j'ai tagué son nom pour que lui-même, il aille voir que j'ai un copain vraiment dans ma vie. Quand il a publié, il devait penser d'avoir à moi. À part seulement s'il a fait ça par rancune, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Moi, je ne sais pas quel argent, les gens ont dit que j'ai mangé son argent. Je ne sais pas quel argent de Seigneur, là, j'ai mangé son argent. Acheter une bouteille de biscuit, offrir une bouteille de biscuit à quelqu'un, c'est pas manger son argent. Vraiment. Et à quel moment le suicide te traverse l'esprit? Bon. Et pourquoi d'ailleurs? J'avais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre ce genre de choses. Moi, j'ai jamais vécu ce genre de situation dans ma vie depuis que je suis née. Moi, je peux même publier une photo sur Facebook. Pourquoi il n'est pas allé faire ça avec une fille de sa catégorie alors? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas, il peut qu'utiliser les jeunes filles comme les filles qui ne connaissent rien de la vie, qui ne connaissent rien du monde là. Ce n'est que ça, mais il faut qu'il pense d'abord aux gens, aux autres, avant de penser à lui-même d'abord. Parce que ça c'est de l'égoïsme. Faire quelque chose comme ça. Et puis, tu dis que tu es marié, moi. Tu es marié, et puis vraiment, il faut dire avec qui tu es marié. Avec une femme à la maison, tu publies ce genre de choses. Vraiment. Moi-même, si c'est moi, je vais dire non. Je peux laisser quelqu'un de groupe publier, je vois, oui, j'aurais mal, mais je vais laisser tomber. Mais que toi-même, tu ne peux pas publier. Ça veut dire que tu n'es pas marié, tu t'en fous de tout le monde. Tu t'en fous de ce qui peut arriver à quelqu'un. Parce que là, si je mourrais maintenant, il sait ce qui devait se passer dans sa carrière de star, comme il dit là. Il ne sait pas, il pouvait même aller en prison. Parce que ma famille ne devait pas le laisser. Ma famille ne devait pas le laisser, on devait le porter plainte. Donc, tout ce que j'allais dire, c'est qu'avant de faire quelque chose, qu'il essaie d'abord de réfléchir, qu'il laisse d'abord sa boisson à côté, avant de balancer certains trucs. Oui, peut-être moi, on me dit qu'il a balancé ça dans la boisson aussi. Vraiment. Parce que quelqu'un de normal, je ne vois pas faire ce genre de choses. Vraiment. Même avec mon copain, on fait les vidéos, mais on ne balance pas ça sur les réseaux sociaux. On ne prend pas les vidéos, non. C'est privé, on peut regarder pour rire après. Oui, pour se moquer, pour dire que tu ne connais pas embrasser tout ça. On se moque, chacun se moque de l'autre, oui. Mais pas pour publier sur les réseaux sociaux, non, c'est pas logique.
On espère que le message va arriver aux oreilles de Senghor Dola. Inès, on est là. Bon, John Johnson, bon, j'avais une question pour toi là. Tu as dit tout à l'heure que bon, tu es une femme qui n'aime pas sortir la nuit et tout est consort. Du moment où nous connaissons Senghor Dola, l'homme de la rue, celui qui aime les boîtes de nuit, comment as-tu fait pour le rencontrer? Oui, Senghor Dola, je l'avais rencontré. Senghor Dola, je l'avais rencontré une fois au Blue. Oui. J'étais sortie toujours avec une amie. Je crois que c'était une sortie en copine quoi. Et j'avais dit à mon gars, il n'était pas d'accord que j'y aille. Il disait que moi j'ai sorti nocturne, moi vraiment j'étais fatigué, tout ça. Il m'avait prévenu, mais j'ai dit non, t'inquiète, tu vas t'inquiéter pourquoi. C'est juste une sortie en copine. Et c'est là-bas que tu rencontres ces gens de là. Oui, au Blue, là, à quoi. Et là, vraiment, je comprends. Bon, je ne peux pas m'apprendre à Senghor Dola. John Johnson, toi-même, tu dis Senghor Dola, c'est quelqu'un qui te côtoie depuis fort longtemps et toi, tu n'as jamais été intéressé. Comment peux-tu arriver à une boîte de nuit, tu le trouves autour d'une table avec des gens en train de boire et tu sollicites t'asseoir auprès de lui? N'as-tu pas pensé aux conséquences? Si c'est vrai, je n'ai pas pensé aux conséquences, mais je me suis dit, bon, comme mon copain aussi, je veux plus de moi, je ne sais pas, je ne savais pas par où commencer. Donc c'était un signe de désespoir. Oui, c'était un peu ça. Bon, exactement. Je me suis dit, bon, nous voici alors, je n'ai plus de copain. Exactement. Qu'est-ce que. J'ai dit, bon, j'avais plein de choses dans ma tête, quoi. Je me suis dit, bon, comme depuis il est là, je peux essayer pour voir si ça va marcher avec lui. Dans ma tête, c'est ce que j'avais mis. Je n'avais pas mis que j'ai une relation de soi, non. Parce que lui et moi, on s'était déjà vu, on s'est séparés dans de bonnes conditions. Donc, je voulais essayer. Moi, je ne savais pas que c'est quelqu'un vraiment qui était vraiment connu. Moi, je ne savais pas. Si j'étais mon connaisseur, je ne vais jamais m'asseoir à côté de lui. Mais lui ne m'a jamais dit cela. Il ne m'a pas dit qu'il est quelqu'un de. Chaque fois que je regarde, il est toujours lucide, bien, avec quelqu'un avec qui tu peux causer. Lui. Mais quand vraiment, je ne peux pas imaginer ce genre de choses de lui. C'est un peu ça qui est passé d'abord dans ma tête. Parce que moi aussi, je disais déjà, bon, comme je suis déjà célibataire, je cherche toi. C'est ce que j'avais dit dans ma tête. Bridget Fab. En fait, Diana Johnson, je ne peux pas. Et je compatis peut-être avec ce qui s'est passé. Mais je me dis, il y a une question qui me taraude d'esprit. Je suis curieux de savoir, parce que pour que Senghor Dola fasse une vidéo comme ça, quand on voit la vidéo, apparemment, je pourrais dire peut-être qu'il était au courant et que peut-être c'était un truc prémédité. Donc, à partir du moment où il t'a vu, voilà. Et nous tous, nous savons que pour qu'un homme agisse ainsi, c'est vrai qu'il aime le buzz pour avoir la célébrité, parce qu'on va le voir sur une vidéo avec une jolie femme. Mais pour qu'il agisse ainsi, ça veut dire qu'il y a eu déjà une histoire peut-être avant. Peut-être il y a un truc qui n'a pas marché. Peut-être tu lui as fait quelque chose qu'il n'a pas digéré et qu'il a voulu se venger. Et je me dis aussi, du coup, peut-être il connaît ta vie personnelle. Peut-être il sait que ton gars est artiste, voilà. Il est populaire. Il veut porter à terre à ta vie privée. En fait, moi je me dis que quelque part, peut-être... Qu'on a traversé l'étape du pardon. Oui, exactement. La fois passée, je salue d'abord tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont abonnés à la page On Air. Donc, la fois passée, elle avait écouté le message de pardon parce que je connais, c'est une fille qui ne fait pas ce genre de choses. Et en plus, même elle me connaît bien, c'est quelqu'un qui n'est pas lucide. Il est toujours. Il n'est jamais lucide. Donc, tout ce qu'il va te raconter, c'est tout embrouillé. En plus, quand elle commence à boire, elle veut seulement continuer. Donc, moi, je l'avais. En fait, depuis, ça va déjà et tout. Je pense que ça va servir de leçon. La prochaine fois, il va d'abord bien réfléchir avant de se comporter de la sorte. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à porter plainte à Senghor? Bon, comme pour dire vrai, en fait, même si on porte plainte, c'est pas sûr qu'on va. Parce que c'était pas un acte, comment on appelle ça, involontaire. Tu étais dans le snack avec lui. Ok. Ouais, on vous a filmé. Et mon mère a arrêté la main de Senghor, comme fait sa tête. On ne peut même pas le porter plainte. Parce que quand on voit la vidéo, tu es engagé.
c'est impossible de porter plainte. Mais puisqu'elle dit qu'elle pouvait être sous l'effet de la drogue, donc il y a aussi un truc qui est là, c'est que peut-être qu'elle a été droguée et elle ne retendait plus d'elle-même. C'est un peu ça. C'est aussi parce qu'elle ne prouve qu'elle a été droguée. On m'a dit qu'elle a quitté le stagiaire. Justement, ce sont les enquêtes, lorsque vous allez porter plainte, ce sont les enquêtes qu'on va ouvrir. On va voir déjà qui a pris la vidéo, déjà on va essayer d'analyser le nombre de verres qu'elle a pris, si ça pouvait lui mettre dans cet état. Et après on va regarder les personnes qui étaient à côté d'elle. Et puis ce qu'on a pu mettre dans son verre, qui l'ont amené justement à cet état de choses. Je ne refuse pas, tu vois, mais après, elle a tout déjà. Tout va comme un truc prémédité aussi. Oui, ça a été prémédité. Mmh. Il y a des trucs qu'il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. Ça, c'est atteinte à la personnalité, à la pudeur de quelqu'un. Mais ce n'était pas la première fois que quelqu'un. Et c'est une personnalité. Justement, c'était la première fois que Senghor l'embrasse à son insu. Oui, mais elle était à partir à son rendez-vous. On ne va pas regarder les choses comme ça aussi. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils ont traversé l'étape-là et la décision leur revient si. Voient qu'ils vont porter plainte ou pas. Mais je pense qu'ils sont déjà passés à autre chose aujourd'hui. Le mariage se porte comment, Ben Evolution? Ah, ça se passe bien, tout a changé. Elle n'a plus envie même de mettre ses pieds dehors, même pour consommer, goûter une seule goutte d'alcool. Ouais, elle n'a plus envie Mais moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à te dire, Ben. Je crois quelque part, tu n'es pas Ben. Ben, tu es le maire. Dis ça devant monsieur le maire, c'est comment? Ok, ce que je vais dire à Ben Monchou, c'est qu'il nous connaît très bien. Et comme on se connaît, la complicité qu'il y a entre nous ne pourra jamais nous briser. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Aïe, aïe, aïe. C'est que j'ai compris. Malgré mon jeune âge, ce que j'ai compris quand tu vis avec un homme, c'est d'avoir vos complicités. Mm-hmm. Quand vous avez une complicité, que même à tout moment, vous pouvez vous parler proprement, pas dans la bagarre, tout ça. Vous comprenez vraiment. Et c'est cette complicité vraiment qui nous a aidés jusqu'à présent. Vraiment, et vraiment, je vais toujours dire, et je lui dis toujours, qu'il est le seul dans ma vie. Donc, il y a peu de prix, les Senghor. Senghor, c'est un petit gens qui fait deux fois sa taille. Mais après, j'ai vu que moi, j'ai trouvé, vraiment, et je l'ai donné une belle fille. Ouais. Donc, pour lui prouver d'abord que je suis, je l'aime et que je suis vraiment avec lui. On sait quoi, c'était une erreur. Il n'y a pas de pétales de rose ici. Trop de cœur. Si, elle savait, Ben est ému, il veut pleurer. Moi, je suis jaloux. Ben veut pleurer un tout petit peu. On va peut-être donner le bisou de Olivier. Olivier, lui, veut son bisou pour faire sa photo. Je crois que tous les internautes qui nous regardent, pour les internautes, les gars veulent leur bisou. Je me tape. Je suis en train de me casser. Tout ça m'a dit que c'est bon. La lumière voulait que fasse dans le noir. On va s'écarter pour les gens qui regardent. On veut juste un rapprochement. Je quitte, non, je dois quitter. Je dois quitter. Non, c'est une seconde des bisous. Hein. C'est, ouais, pas, c'est pas le cas. Olivier. Donc. Ouais.